là, on va pas tarder à arriver à la Roche Merveilleuse. Vous allez voir, on a une vue imprenable hein, sur le cirque de Sillaos. Oui, oui, on connaît. Tu t'en souviens, mon amour? Mais oui, c'est ici qu'on s'est embrassés pour la première fois, à la Roche Merveilleuse. Et depuis, notre vie est tout simplement merveilleuse. Ouais, c'est trop mignon. Et nous, tu te souviens où on s'est embrassés pour la première fois? Ouais. Ouais, c'était à Saint-Gilles, dans une soirée. J'étais complètement bourré, j'ai vomi et tout. Mais toi, t'es trop merveilleux comme gars. Hein. Ouais. Ah, on a beau dire, les beaux souvenirs. Ouais. Bozo, il est bon. Pardon? J'ai dit bonjour, il est bon. Et en plus, vous répétez. Alors déjà, on dit il est bon. Et oui, mon mari est très bon. Je le sais, puisque je l'ai épousé. Non, mais il est bon, c'est pour vous demander si ça va. Ouais, c'est ça. Bon. Non, il est bon. Mais merci, ça va. Non, t'es vraiment bonne. Hervé! Sauvage! Waouh! Ah, tu tombes bien. Kiaurana et Maeva. Ok, thanks, mais c'est pas normalement pour les voyageurs qui arrivent en Polynésie. Et pourquoi on fait ça? C'est notre façon à nous de montrer notre hospitalité, de montrer qu'ils arrivent dans un endroit chaleureux et accueillant, comme un signe de bienvenue. Voilà, alors bienvenue dans une cuisine propre et accueillante. Par contre, c'est la dernière fois que je range tout ton bordel. C'était l'apocalypse ici. Hein. Hey! Bon, Cindy, dépêche-toi, j'entends maman qui arrive là. Mais je sais même pas c'est quoi un string, je trouve pas. Mais oui, c'est une culotte fine. C'est comme des tongs pour fesses. Tongs pour fesses? Mais comment tu veux que je trouve ça? Mais il est rouge, il pendait sur le fil comme une chauve-souris la dernière fois. Ah, c'est beau, je l'ai! Ah, yes! Jennifer va être trop jalouse demain à l'école. Ça, c'est pas de ton âge. Hein, il va falloir attendre pour ça, ma fille. Ah oui, pour faire comme maman. Le mettre seulement quand j'irai chez le médecin. Le médecin? Oui, le médecin. Eric, tu sais, ton meilleur ami. Chantal? Salut Philippe, qu'est-ce que tu fais là? Bah le petit déj, tu vois. Je pensais pas qu'en Guadeloupe je trouverais une famille. Bah tu sais, c'est beau ce que tu dis, mais ça m'étonne pas. Hein. En Guadeloupe, l'accueil est toujours chaleureux. On forme une grande famille finalement. Je suis content que tu m'acceptes, ça me fait plaisir, vraiment. Philou, tu viens mon chéri? Elle est mignonne. Attends, c'est ma mère qui t'appelle là? Bah ouais. Et les petits déj que tu prépares, c'est pour vous deux? Devine. Attends, j'ai peur de comprendre là. C'est quoi ces conneries là, Philippe? D'abord, j'aimerais bien que tu dises pas de gros mots et que tu m'appelles papa Timal, d'accord? Il va falloir que tu t'habitues. Allez, amenez-nous le petit déj au lit avec ta mère. Et oublie pas mon journal. J'arrive, chérie! Tu prends un sucre, papa?